Merci beaucoup. Tout d'abord, donc, je tiens à vous remercier, Claudine Tiercelin et les organisateurs de ce colloque. Je suis ravi d'y participer. L'exposé que je vais vous présenter sur la connaissance, la justification et les raisons adéquates est un travail en commun avec Paul Marty, qui est actuellement en train de terminer une thèse de linguistique au MIT, et Brian Rennie, qui était jusqu'à l'an dernier à l'Institut ILLC d'Amsterdam, qui est logicien. Nous avons commencé ce travail il y a environ un an. Nous l'avons maintes fois révisé, donc je vous présente à peu près la cinquième révision de ce travail aujourd'hui, peut-être pas la dernière. Donc, le problème qui nous intéresse dans ce travail est celui de définir la connaissance. Ce problème est bien connu en épistémologie, au moins depuis Platon, mais la question « une croyance vraie justifiée est-elle une connaissance ?» a été considérablement relancée, comme la plupart d'entre vous le savez, par l'article très bref de Edmond Gettier, qui nous dit « non, nous pouvons trouver des cas clairs de croyance vraie justifiée qui ne compte pas comme de la connaissance. » La première question que je poserai dans cet exposé, c'est que faut-il entendre exactement par une croyance justifiée ? Le thème de la justification reviendra au cours de ces exposés. Si vous regardez l'article de Gettier lui-même, il nous dit que le sens du terme justifié qu'il retient, lorsqu'il s'agit de dire qu'un agent S est justifié à croire une proposition P, est tel qu'il doit être possible pour une personne d'être justifiée à croire une proposition qui est en réalité fausse. Autrement dit, la justification n'implique pas la vérité. Elle ne correspond pas à ce que d'autres auteurs ont appelé la garantie pour une proposition d'être vraie. Et cette question a son importance pour que l'auditoire soit absolument, au fait des exemples de Gettier. Je me concentrerai uniquement sur le second de ces exemples, ici. Donc, Gettier nous dit, supposons que Smith, qui est l'agent qu'il considère, ait des raisons fortes, strong evidence en anglais, de croire la proposition suivante, Jones est propriétaire d'une Ford. Les raisons de Smith pourraient être que Jones, à chaque fois, excusez-moi pour la traduction et l'erreur ici, passé dans le souvenir de Smith, était propriétaire d'une voiture, toujours d'une Ford, et que Jones vient de conduire Smith dans une Ford. Par ailleurs, imaginons à présent que Smith a un autre ami, Brown, dont il ignore les pérégrinations. Smith choisit trois noms de lieux au hasard et construit les propositions suivantes. Premièrement, soit Jones est propriétaire d'une Ford, soit Brown est à Boston. Deuxièmement, soit Jones est propriétaire d'une Ford, soit Brown est à Barcelone. Et enfin, soit Jones est propriétaire d'une Ford, soit Brown est à Brest-Litovsk. Le contexte est tel qu'en réalité, Jones ne possède pas, donc contre toutes les apparences, ne possède pas de Ford. Quant à Brown, là encore, j'ai fait une erreur, excusez-moi, donc enlever la négation, Brown, lui, est à Barcelone. D'accord ? Donc c'est une situation dans laquelle il semble que Smith ait la croyance vraie, justifiée, de la proposition que soit Jones est propriétaire d'une Ford, soit Brown est à Barcelone, qui est la proposition numéro 3, ici, sur le diaporama. D'accord ? Néanmoins, je pense que la plupart d'entre vous, vraisemblablement l'immense majorité d'entre vous, accepterait de nier que Smith a la connaissance que soit Jones est propriétaire d'une Ford, soit Brown est à Barcelone. Pourquoi cela, en fait, j'y reviendrai un petit peu plus loin, mais parce que, tout simplement, il semble que chacune des propositions de la disjonction n'est pas telle qu'il puisse la connaître. D'où la question qui a été posée dans l'épistémologie contemporaine, pourquoi ne pas renforcer la définition de la connaissance et dire « la connaissance, c'est une croyance vraie justifiée qui satisferait une condition X à identifier ». Zach Zepsky, Linda Zach Zepsky, Timothy Williamson nous ont, je crois, largement enseigné depuis les années 90 que vraisemblablement toute tentative
d'identification de cette X est vouée à l'échec, car elle est soit, en fait, ce qu'on pourrait appeler jettierisable, c'est-à-dire on pourra trouver des exemples à la jettier qui vont invalider la nouvelle définition, soit, au contraire, la définition sera correcte, mais elle sera circulaire, c'est-à-dire qu'on aura fait appel dans la définition de la connaissance à la notion même de connaissance que nous essayons de définir. Ma réponse à ceci est que même si c'est le cas, c'est-à-dire même si on accepte les termes de ce dilemme, il reste à mon avis à mieux cerner les liens entre connaissance et justification. Et en réalité, je serais tenté de dire que les deux termes de ce dilemme, l'objection de circularité est peut-être une objection qui est un peu rapide, car c'est ce que j'essaierai de montrer dans cet exposé, on peut essayer d'identifier pour X une valeur qui est telle que, en réalité, le X lui-même soit peut-être un terme primitif, qui soit difficile à définir en des termes, non épistémiques, sans pour autant que la définition de la connaissance soit vouée à l'échec. Donc l'idée directrice de ce travail, c'est de distinguer ce qui vous a peut-être déjà frappé dans la version du scénario de Jettier, deux notions de justification, une justification plausible, une justification qui a les apparences d'une justification correcte, d'une justification adéquate. Et en parlant de justification adéquate, je reprends une idée qui est certes une idée très ancienne, je pense, dans l'épistémologie que nous pratiquons, mais qu'on retrouve chez des auteurs plus récents comme Chisholm, mais aussi Sosa, ou encore Gretzky. Gretzky nous propose une définition de la connaissance en termes de raison concluante. Quant à Chisholm et Sosa, ils proposent qu'on puisse définir la connaissance en termes de justification sans défaut, non-defective. La notion d'adéquation que je vais proposer dans cet exposé est en quelque sorte voisine de ces tentatives, mais elle en diffère sur certains aspects que j'expliquerai. Donc ma proposition est tout simplement de dire la connaissance, examinons cette équation, la connaissance est définissable comme la croyance vraie en vertu d'une justification adéquate. Évidemment, il reste à dire ce que justification adéquate signifie. Alors je reviens sur l'exemple de Jettier, d'accord ? Rappelez-vous, nous avons une disjonction qui est que Smith croit que ou bien Jones est le propriétaire d'une Ford, ou bien Brown est à Barcelone. En réalité, Brown est à Barcelone est une proposition qu'il a choisie au hasard, d'accord ? Donc il n'a aucune justification, aucun fondement, on va dire, pour croire cette proposition. Quant à la proposition qu'il croit véritablement, Jones possède une Ford, il la croit, mais cette proposition est fausse, donc il la croit pour des raisons qui sont incorrectes, inadéquates, ou encore que j'appellerais insuffisantes ici. Dans un cas, les raisons sont insuffisantes, dans l'autre, les raisons sont tout simplement manquantes. Ce qu'il faut savoir que je n'ai pas dit, c'est que dans le scénario, Smith fait délibérément, explicitement, l'inférence de la proposition « Jones possède une Ford », qu'il croit être vraie, qu'il pense savoir même, à la disjonction. D'accord ? C'est ce qui est censé justifier l'inférence vers la disjonction. Une mise en garde, c'est que mon but dans cet exposé n'est évidemment pas de remplacer un terme par un autre, c'est-à-dire l'obscur par le plus obscur. En particulier, sachez que la définition que critique Jettier dans cet article est celle de Chisholm. Chisholm écrit « S c'est que P, si et seulement si, S accepte que P, S a une raison adéquate, adequate evidence pour P, et P est vrai ». La notion d'adéquation qui est retenue par Chisholm diffère, je crois, de la notion que je présenterai un petit peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'une raison adéquate ? La conception que je vais défendre dans cet exposé est une conception externaliste de la notion d'adéquation, au sens où une même raison, ou un même ensemble de raisons, peut constituer une raison adéquate dans un bon scénario, ce qu'on appellerait donc un scénario qui favorise, en quelque sorte, l'adéquation, si j'ose dire, des raisons avec les propositions qu'elles soutiennent, mais être une raison inadéquate dans un mauvais scénario, c'est-à-dire typiquement dans un scénario sceptique ou dans un scénario à la Gettier. Anne Mélan reviendra elle-même sur cette distinction entre les bons et les mauvais scénarios dans son exposé. Néanmoins,
Ma proposition est qu'on doit pouvoir caractériser au moins partiellement les contraintes que cette notion d'adéquation, cette notion externaliste d'adéquation, implique, touchant la relation entre les croyances et les raisons. La méthode que je suis est la suivante. Je vais vous proposer une caractérisation axiomatique de la notion d'adéquation, assortie d'une sémantique formelle en termes de monde possible pour la croyance et pour la notion de raison. Cette caractérisation axiomatique, et c'est un point important à retenir pour la discussion, ne vise pas à donner des conditions nécessaires et suffisantes pour caractériser la notion d'adéquation. Autrement dit, je ne cherche pas à définir de façon exhaustive la notion d'adéquation, mais je cherche en quelque sorte ce que j'appellerais des conditions nécessaires, substantielles, que la conception externaliste de l'adéquation, que plusieurs d'entre nous ici cherchons à caractériser, impose sur la notion d'adéquation. Alors pour cela, j'en viens à la substance de mon exposé, c'est-à-dire je vais vous présenter une logique des raisons, qui est en fait une théorie des raisons sous un format de logique épistémique. Première remarque, c'est que la caractérisation de la connaissance que je vais proposer repose sur quatre notions primitives. L'une, c'est la notion de croyance, et viennent trois notions qui sont donc moins familières, la notion de raison, la notion de soutien, support, dans notre article qui est écrit en anglais, et la notion d'adéquation. Alors, laissez-moi dire un mot de la notion de raison. Il s'agit d'un colloque sur la connaissance et ses raisons. Et la première question que vous pourriez me poser est, est-ce qu'une raison est une proposition ? Est-ce que c'est un objet propositionnel ? Ou est-ce que c'est un certain état de croyance ? En fait, cette question m'a été posée à un moment particulièrement clé du développement de ce travail par Julien Dutemps, qui, je pense, en parlera lui-même dans son exposé. En essayant d'y répondre, j'ai relevé cette citation de David Armstrong qui dit que parler de raison, en fait, peut référer à deux genres de choses, justement à un état de croyance ou bien à la proposition qui est crue dans cet état spécifique. Et la thèse ou l'approche que nous vous proposons, c'est une approche dans laquelle une raison est fondamentalement du type d'un ce que j'appellerais un état évidentiel, c'est-à-dire proche d'un état de croyance. Une raison dans notre approche, ça n'était pas l'approche initiale défendue il y a quelques mois, est une expérience d'un certain type qui incline à croire un certain contenu. Elle ne constitue une proposition que de façon dérivée. C'est-à-dire, vous le verrez, dans le formalisme, ces états évidentiels, ces raisons vues comme des états, donnent lieu à des propositions systématiquement, mais les propositions ne sont que dérivées des états. Julien Dutemps lui-même, dans son travail, dans sa thèse de 2010 et dans une version plus récente d'un article sur les méthodes de formation de croyances, appelle en fait raison méthode de formation de croyances. Julien, corrige-moi si je décris mal ta théorie. Alors, je vais tout de suite vous donner un exemple avant de vous présenter la théorie sous sa version plus formelle. L'exemple est un exemple de Daniel Kahneman, vous savez, qui a été récompensé par le prix Nobel d'économie, mais qui est repris dans un article très récent de Sorensen sur ce que Sorensen appelle les parallèles. Donc, Pierre croit, pour l'avoir lu, qu'un ballon et une casquette coûtent 1,10€ à tous les deux, d'accord, et que le ballon coûte 1€ de plus que la casquette. Il calcule que la casquette coûte 10 centimes. Je dois vous dire qu'en réalité, ce calcul est faux. La casquette coûte, si vous faites le calcul, 5 centimes. Il forme la croyance sur la base donc, d'un calcul que la casquette coûte moins cher que le ballon. D'accord ? En réalité, comme la casquette coûte 5 centimes, on peut dire que la croyance qui arrive au terme de son raisonnement, de son calcul incorrect, est, elle, une croyance correcte. D'accord ? Donc, si nous représentons par S l'expérience de lecture de Pierre et par R, le calcul de Pierre, nous représenterons, dans le formalisme que je vais présenter dans un instant, le fait pour Pierre de croire, donc B est mon opérateur de croyance, et ici, cette formule dit que Pierre croit la proposition que X plus Y égale 1,10€ sur la base de, disons, la lecture qu'il a faite des hypothèses. Que le ballon et la casquette coûtent 1,10€, pour l'avoir vu, pour l'avoir entendu, si vous préférez. D'accord ? Maintenant,
Il croit également sur la base de la même expérience que le ballon, d'accord, coûte 1 euro de plus que la casquette. D'accord. Ensuite, il en infère, cette fois sur la base d'un calcul qu'on pourrait appeler R, que de ces deux propositions, d'accord, il suit que Y, c'est-à-dire la casquette, coûte 10 centimes. Donc toute cette proposition conditionnelle que vous voyez marquée ici, X plus Y égale 1,10€ et X égale Y plus 1 implique Y égale 10 centimes, est une proposition donc, qu'il croit sur la base de son calcul. Et il en infère, toujours sur la base du même calcul, donc Y vaut 10 centimes. D'accord ? Donc nous représenterons, en un sens, les propositions et leur lien avec les raisons. Et c'est une manière de décrire que Pierre croit que son calcul rend plausible, acceptable, est une raison de croire, en quelque sorte, que la casquette vaut 1,10€. Donc voici le premier exemple, juste pour vous familiariser avec le formalisme, je reviendrai sur l'exemple lui-même. Enfin, s'il combinait ces raisons, d'accord, c'est une version du formalisme que nous proposons. En fait, ce formalisme est lui-même inspiré de ce qu'on appelle les logiques de la justification, qui ont été développées par Sergei Artemov et son école, notamment Brian Rennie, permettent de combiner les raisons. Et en combinant les raisons, on pourrait donc en inférer que Y lui-même a une valeur qui est moindre que celle que X, autrement dit que la casquette coûte moins cher que le ballon. Alors ça, c'est la première notion que je voulais distinguer, celle de raison. La seconde, c'est la notion de soutien. Cette notion de soutien est en fait une relation entre une raison et une proposition. Puisque nous traitons les raisons comme des états, des expériences, des états évidentiels qui nous inclinent à croire certaines propositions, la notion de soutien dans notre approche est distincte de celle d'implication logique. C'est-à-dire que dans certaines théories de la connaissance, on aura des notions comme la notion de support déductif d'une proposition relativement à une autre, ou des notions de confirmation. Si vous devez rapprocher la notion de soutien que nous proposons de l'une de ces deux notions, il s'agit beaucoup plus de la rapprocher de la notion de confirmation. Autrement dit, cette notion de soutien est une sorte de terme primitif humien, si vous voulez, qui désigne tout simplement la confiance qu'on peut accorder sur la base d'une certaine expérience à une proposition. Donc elle est pertinente, y compris lorsque nous faisons l'épistémologie de propositions qui sont des propositions mathématiques, mais qui sont crues sur la base de certains calculs. D'accord ? Alors voici maintenant une présentation de notre système. Nous introduisons un langage, donc c'est une logique épistémique, propositionnelle, dans laquelle nous avons des atomes propositionnels qui vont représenter les propositions. Nous avons toutes leurs clôtures booléennes, négation, disjonction. Et les termes nouveaux, nous avons également le fait de pouvoir donc présenter qu'un agent croit que phi, donc B de phi voudra dire l'agent croit que phi. Et nous avons ces deux termes qui sont des expressions nouvelles du langage. R suivi de deux points suivi de phi veut dire que R est une, donc soutient la proposition phi, si vous voulez donc est une raison de croire phi. R tout court, peut-être disons, à bonne ou à mauvaise escient, est une façon de dire que R est une raison adéquate. Si vous n'aimez pas ce genre de représentation, imaginez qu'il y a un opérateur caché qui dit il est adéquat que R, ou plus exactement, R est une raison adéquate. D'accord ? Dans cette version du formalisme, nous dissocions, d'accord, nous laissons disjointes les propositions et les raisons pour la raison que j'expliquais avant. Ça n'était pas le cas dans l'une des premières versions que j'avais notamment présentées il y a quelques mois. Donc pour représenter la syntaxe à nouveau, d'accord, la raison R soutient phi, c'est représenté par cette formule, R de point phi. R tout court, il n'y aura pas d'ambiguïté, dit que R est une raison adéquate. BR dit que l'agent croit que R est une raison adéquate, et BP, par exemple, dit que l'agent croit que P. Maintenant, quels sont les postulats que nous imposons sur ces notions ? Nous imposons une logique très faible pour la croyance, qui signifie que nous traitons la croyance essentiellement comme celle d'agents qui sont non omniscients, du point de vue logique,
En revanche, nous avons une logique forte pour les raisons, au sens où, comme je disais, si la notion de soutien entre une raison et une proposition est proche d'une notion de confirmation, il est naturel d'imposer des conditions de clôture assez fortes. Donc le cœur de notre théorie, et je vais me concentrer uniquement sur les axiomes qui importent, réside dans ces trois groupes d'axiomes. Le premier groupe d'axiomes, RK et A, que vous voyez ici, nous décrit en fait, le premier, un principe de clôture sur les raisons. Si R soutient une proposition conditionnelle et que R soutient l'antécédent de cette proposition, alors R soutient le conséquent. D'accord ? Cet axiome est l'axiome central de la théorie, l'axiome d'adéquation, qui dit que si R soutient une proposition phi, alors si R est une raison adéquate, phi est vrai. D'accord ? Autrement dit, l'adéquation d'une raison garantit la vérité de toutes les propositions qui sont soutenues par la proposition, par la raison, excusez-moi. Quand vous regardez le deuxième groupe d'axiomes, nous avons donc mis B devant chacune des étiquettes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous avons ici simplement la version enchâssée de ces axiomes sous un opérateur de croyance. Le premier axiome ici nous dit que si un agent croit que R est une raison pour la proposition phi, et s'il croit que R est également une raison pour la proposition conditionnelle, alors il croit que R est une raison pour psi. Autrement dit, nos agents sont omniscients, mais relativement à une raison spécifique. D'accord ? C'est donc un axiome de clôture, mais qui est très limité en réalité en comparaison d'axiomes qui ne font pas intervenir des raisons. L'axiome BA est un axiome qui dit que si l'agent croit phi pour une certaine raison R, et qu'il croit que R est adéquate, alors il croit la proposition phi. C'est donc un axiome assez naturel de clôture. Enfin, nous avons cet axiome D ici, qui dit que si l'agent croit que phi, il ne croit pas non phi, donc c'est une réquisite de cohérence. Et cet axiome AS est plus compliqué, je le laisse de côté jusqu'à y revenir un petit peu plus loin. Enfin, nous avons certaines règles, certains principes d'inférence, des règles d'inférence qui sont naturelles pour ce genre d'axiomatique. Je ne m'y attarde pas. Donc les axiomes clés, si je les répète, c'est d'une part l'axiome d'adéquation, qui, je le répète, nous dit que si R est une raison de croire phi et que R est adéquate, alors phi est vrai. Nous avons l'axiome de clôture pour les raisons, d'accord, dont j'ai déjà parlé. Et enfin, j'en viens maintenant à l'axiome dont je disais qu'il était un peu moins naturel, un peu plus délicat. J'avoue, je mentionne qu'il n'y a pas de consensus, pour dire le moins, entre les auteurs sur la nécessité de cet axiome. C'est un axiome qui dirait la chose suivante. Si vous traitez la notion de support entre une raison et une proposition comme étant possiblement une relation qui ne dépend pas en fait intrinsèquement des croyances d'un agent, de la représentation qu'il se fait de cette relation, alors il serait possible qu'un agent croie que R est une raison qui soutient la proposition phi, sans pour autant que R soutienne la proposition phi. Dans ces cas-là, nous imposons que si l'agent croit que R soutient phi, et si en réalité R ne soutient pas phi, imaginons des cas d'hallucination par exemple, ce sont les cas que nous discutons dans ce travail, alors R ne pourrait pas être une raison adéquate. Si vous n'aimez pas, comme moi en réalité, cet axiome, si vous êtes plus internaliste sur la nature de la justification, remplacez cet axiome par un axiome qui dit qu'en réalité, la représentation qu'un agent se fait de la relation de soutien entre une raison et une proposition est infaillible. Autrement dit, chaque fois est infaillible au sens où chaque fois que l'agent croit que R soutient phi, R soutient phi. Donc, quelle est l'image qui émerge de la notion d'adéquation, la notion de raison adéquate ? Les raisons adéquates sont closes par implication, je l'ai déjà dit. En réalité, elles soutiennent une infinité de vérités en vertu d'une règle qui est la règle qui nous dit que chaque fois qu'une proposition est un théorème du système, toute raison en fait soutient la proposition. C'est un principe de clôture qu'on pourrait essayer d'éliminer, mais qui est commode en première approche. Et enfin, toute proposition soutenue par une raison adéquate est vraie. Maintenant, l'adéquation, vous l'avez peut-être remarqué, est une propriété non relationnelle dans ce système, au sens où une raison n'est pas adéquate relativement à une proposition spécifiquement. Elle est adéquate ou pas
Sémantiquement, en revanche, et je vais y venir, l'adéquation, en fait, est une relation, ou est une propriété, plus exactement, d'une raison et d'un contexte. Autrement dit, l'adéquation est une propriété qui est implicitement relationnelle et qui est sémantiquement contextualisée. Je vais le présenter tout de suite. Donc, quelle serait une sémantique formelle pour ce genre de logique ? C'est une sémantique de monde possible dans laquelle nous aurons un ensemble non vide de monde possible. Ici, nous avons également quelque chose de classique, une valuation, une fonction propositionnelle, d'accord, des mondes vers les propositions, qui nous dit quelles sont les propositions qui sont vraies en chaque monde. La nouveauté, ce sont d'une part cette fonction de voisinage, c'est une nouveauté relative, en fait, c'est un formalisme qui est utilisé depuis les années 70, qui apparaît par exemple dans le travail de Julien Dutant aussi. On associe à chaque monde une collection de propositions qui sont les propositions crues en ce monde. Mais principale nouveauté, c'est cette fonction d'évidence qui nous dit, étant donné une raison, on peut associer à cette raison une certaine relation binaire sur l'ensemble des mondes possibles. Si vous êtes un petit peu familier de la notion de sémantique des mondes possibles pour la connaissance, vous voyez que la notion de fonction d'évidence joue un rôle très proche justement des opérateurs de la sémantique épistémique usuelle pour des opérateurs comme la connaissance ou la croyance. Mais nous dissocions ici donc la fonction d'évidence de la fonction de voisinage. Maintenant, nos clauses sont les suivantes. Dire qu'une raison soutient une proposition phi en un monde, W, une certaine structure d'interprétation M, signifie que quand vous collectez l'ensemble des mondes qui sont accessibles par la fonction d'évidence, eh bien, ces mondes impliquent la proposition exprimée par l'énoncé phi. C'est-à-dire qu'ils sont inclus dans l'ensemble de tous les mondes qui rendraient phi. Dire que la raison R est adéquate en W signifie que le monde W lui-même fait partie des mondes qui sont accessibles par la relation d'évidence. Autrement dit, c'est dire en quelque sorte que votre fonction d'évidence est une fonction véridique, d'accord, ou une fonction factive, si vous voulez. Et dire qu'une proposition phi est crue, c'est dire tout simplement que cette proposition fait partie de l'ensemble des propositions données par la fonction de voisinage. Donc il n'y a rien de très compliqué. Évidemment, c'est un petit peu brutal, d'accord, d'asséner ça le matin. Mais il n'y a rien fondamentalement de très compliqué. D'accord, dans ce formalisme. Vous pouvez même l'oublier si vous retenez uniquement la syntaxe. Maintenant, nous allons l'enrichir un tout petit peu parce que nous avons besoin de dire des choses comme « Jean a une raison de croire qu'il pleut ». Ici, vous voyez que nous souhaitons quantifier sur les raisons. Dire « Jean a une raison de croire qu'il pleut », c'est dire plus que simplement « Jean croit qu'il pleut ». Comment le représenterions-nous ? Nous dirons « Il existe une raison ». Tel que Jean croit que cette raison soutient P, et la plupart du temps, il croira que cette raison est adéquate. Je pourrais y revenir dans les questions. Croire qu'une raison soutient une proposition n'implique pas ipso facto de croire que cette raison est adéquate. Vous pouvez avoir, disons, des raisons, par exemple, discordantes, d'être incliné à différentes propositions, et pour autant juger que seulement certaines d'entre elles sont adéquates. Maintenant, comment donc représenter, comment étendre notre formalisme ? Eh bien, nous allons simplement reprendre le formalisme précédent, ajouter une relation d'égalité entre les raisons et des opérateurs, des quantificateurs qui nous permettent de quantifier sur les raisons. Donc, je vous fais grâce hein, du détail de la théorie. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de montrer que ce formalisme et notre ontologie de la croyance, des raisons, de la notion de soutien et enfin de la notion d'adéquation nous donnent en quelque sorte des outils pour la dissociation de deux notions de croyance vraie et justifiée et pour défendre la définition de la connaissance en termes de l'une de ces deux notions. Une intuition, qui je crois est donc une intuition commune, est qu'une croyance peut être vraie soit parce qu'elle repose sur une raison adéquate, soit par chance, pour une raison qui, donc, en vertu de son caractère hasardeux, n'est pas adéquate. Comment représenterions-nous la distinction dans le formalisme que j'ai présenté ? Voici deux notions de croyance vraie justifiée, donc JTB veut dire Justified True Belief, d'accord ? C'est juste pour vous en souvenir. Ici, JTBER, donc le fait d'avoir une croyance vraie justifiée, E pour de nature externaliste, relativement à une raison R, représente la formule suivante. Ça veut dire que l'agent croit la proposition phi P
pour la raison R, si vous voulez. Il croit que la raison R est une raison pour phi. Il croit que R est adéquate et R est adéquate. En revanche, la version internaliste, purement internaliste, de cette notion de croyance vraie justifiée, nous dit que l'agent croit que R est une raison qui soutient phi. Il croit que R est adéquate et phi est vrai. D'accord ? Mais ça n'implique pas ou ça n'impose pas que la raison R soit adéquate. D'accord ? Donc c'est un réquisite qui, en vertu de nos axiomes, est bien plus faible que celui que va impliquer la notion de croyance vraie justifiée au sens externaliste. D'accord ? Vous voyez que ces deux définitions sont très proches, sauf que nous avons dans un cas remplacé uniquement la vérité de phi par le fait pour la raison correspondante d'être une raison adéquate. C'est ce que souligne sur ce transparent. Maintenant, pourquoi introduire de la quantification pour avoir des notions parfaitement générales, non relatives à des raisons spécifiques de raison de justification et de croyance vraie justifiée. Donc, la notion de croyance vraie justifiée externe nous dit simplement il existe une raison telle que l'agent a la croyance vraie justifiée externe relativement à cette raison, et même chose pour la croyance vraie justifiée interne. Alors revenons sur l'exemple de Gettier. L'exemple, je vous rappelle, c'est que Smith croit que Jones possède une Ford, ce que nous représenterons par P ici, et il choisit au hasard la proposition Brown est à Barcelone. Appelons R l'ensemble des évidences, au sens anglo-saxon, d'accord, l'ensemble des raisons justement, que Smith possède quant au fait que Jones puisse posséder une Ford, donc l'ensemble de tous ces indices. Notre première hypothèse, c'est donc que Smith croit que cette raison soutient donc la proposition « Jones possède une Ford ». Ça nous est donné par le scénario. La deuxième hypothèse, c'est celle que fait Gettier explicitement dans le texte. Il nous dit « Smith réalise que cette proposition P implique la disjonction P ou Q pour relativement à la même raison. » D'accord ? Donc la raison R soutient cette proposition conditionnelle. Par ailleurs, non P, d'accord, c'est une de nos hypothèses, Jones ne possède pas de Ford. Et enfin, non R, pourquoi ? Parce que si R était une raison adéquate, elle garantirait la vérité de la proposition P. Donc nous avons ici que la raison ne saurait être une raison adéquate, ça nous est donné par le formalisme. En revanche, Q est vrai, puisque Brown est à Barcelone. D'accord ? La proposition disjonctive s'ensuit, P ou Q. Nous savons par les principes de clôture que de 1 et 2, il va suivre que notre agent Smith croit la disjonction, P ou Q. Donc vous voyez qu'il a une croyance qui est vraie, d'accord, qui est justifiée, puisque cette proposition est crue en vertu d'une raison. Et par ailleurs, cette raison est considérée comme adéquate par notre agent. Donc nous sommes dans la situation dans laquelle l'agent a une croyance vrai justifié de type interne, d'accord ? Mais la raison n'est pas adéquate, donc cette croyance ne compte pas comme une croyance vraie justifiée de type externe. Donc la croyance de Smith, je le répète, est vraie et justifiée, mais sa justification est inadéquate, pour le dire beaucoup plus simplement. Alors il existe une autre classe d'exemples, les exemples de Goldman, qui sont un peu plus compliqués à traiter. Imaginons donc que cette fois Smith se promène dans le pays des fermes. Certaines de ces fermes sont des fermes authentiques, des fermiers y travaillent, d'autres sont simplement des fermes en papier mâché. Et en réalité, une majorité, admettons, des bâtiments qu'on voit sont des bâtiments de façade pour tourner des films. Il voit une ferme, ce qui ressemble à une vraie ferme. Donc appelons R sa vision d'un bâtiment qui ressemble à une ferme, c'est son évidence. P, la proposition « ceci est une ferme ». Donc c'est un contexte dans lequel, en 1, vous voyez que l'agent croit que c'est une raison ici de croire qu'il y a une ferme. Mais imaginons que, par chance, il ait choisi un bâtiment qui soit effectivement une ferme. D'accord ? Donc cette fois, la proposition P est vraie, contrairement à ce qui se passe dans le cas de Gettier. Et l'agent croit aussi que la raison est adéquate.
Alors, nous dirions dans ce cas-là que la raison R est véridique relativement au contexte, c'est-à-dire qu'elle soutient bien en fait la proposition P. Mais pour autant, et c'est là que je disais que notre caractérisation de l'adéquation en termes de rendre vraies toutes les propositions qui sont soutenues n'est pas suffisante, nous ne voulons pas dire que la raison est adéquate si nous pensons que l'adéquation est une condition qui exclut la chance, qui exclut les croyances chanceuses. Donc dans ce cas, nous n'avons pas d'axiome pour le dire, mais nous pouvons en tout cas représenter sémantiquement le fait que l'agent à nouveau a une croyance vraie justifiée de type interne, mais qui manque d'être assise sur une justification adéquate. Dernier exemple, et je terminerai ensuite sur la mention de quelques propriétés de cette approche de la connaissance. L'exemple de Sorensen, donc il appelle parallèle en fait la situation typiquement proche de celle de Gaultier, que j'ai donnée dans l'exemple de Kahneman, d'accord, dans laquelle un agent fait un calcul qui est faux, mais qui le conduit à une conclusion qui est vraie. Donc, je vous rappelle, la conclusion ici, c'est que la casquette coûte moins cher que le ballon. Cette conclusion suit de façon valide des prémices qui sont données ici, d'accord. C'est-à-dire que si vous entrez, en fait, dans un calculateur ces deux équations, eh bien, le calculateur qui, lui, calcule bien, va en inférer de façon valide, d'accord, la conclusion. Sorensen écrit que ce genre de situation dans laquelle l'agent, lui, en fait, infère une conclusion qui est correcte, qui suit en vertu d'un raisonnement valide, mais pour une mauvaise raison, il y voit une réfutation de ce qu'il appelle l'évidentialisme cru, d'accord, la vision selon laquelle nous savons une proposition simplement en vertu du fait que nous avons de l'évidence ou une raison adéquate pour cette proposition. En réalité, dans notre formalisme, nous pouvons représenter le fait que R, c'est-à-dire le calcul que fait l'agent, n'est pas une raison adéquate. Pourquoi ? Parce que si c'était une raison adéquate, ça devrait rendre vraies toutes les propositions qui sont soutenues par ce calcul, notamment la proposition que la casquette coûte 10 centimes. Or, la casquette coûte 5 centimes. D'accord ? Ceci pour dire que bien que Sorensen entende attaquer ce qu'il appelle l'évidentialisme cru, vous voyez que nous défendons la thèse selon laquelle la connaissance implique de posséder une raison adéquate sans être commis à cette forme d'évidentialisme cru. Donc, c'est une réponse en fait à Sorensen. Plus généralement, nous avons trois types de cas que dont nous pouvons faire la typologie. Les cas de Gaultier ordinaire, d'accord, dans lesquels une raison est prise comme soutien d'une proposition, mais la proposition est fausse et la raison inadéquate. Nous avons les cas dans lesquels la raison est prise pour soutenir une proposition comme étant adéquate, mais la raison n'est pas adéquate, bien que la proposition en question soit vraie, par chance. Et enfin, nous avons les bons cas, bons au sens de l'externalisme, ceux dans lesquels la proposition dépend d'une raison pour sa croyance, et la raison en question est bien une raison adéquate. Maintenant, j'en viens à quelques éléments de discussion avant de donner la parole à Anne Mélan. Donc, formellement, notre proposition est tout simplement que la croyance vraie, justifiée de type externe peut servir à définir la connaissance. Donc, nous prenons le risque, d'accord, de définir cet opérateur K de connaissance, knowledge, en termes de croyance justifiée externe et vraie. Alors, trois propriétés, pour le dire brièvement. La première est que pourriez-vous demander si avoir une croyance vraie justifiée externe implique nécessairement ou automatiquement d'avoir la croyance vraie justifiée externe de cette croyance vraie justifiée externe. Autrement dit, est-ce que quand je sais une proposition P, est-ce que je dois savoir que je sais que P ? La réponse est non, d'accord ? Je peux avoir une raison adéquate de croire P sans savoir que cette raison est adéquate. Autrement dit, sans avoir une nouvelle raison adéquate de croire que ma raison de premier ordre est adéquate. Ce que décrit cette formule, aussi vilaine soit-elle, mais cette formule nous dit qu'il est donc possible de croire une proposition P en vertu d'une raison R qui est adéquate, tout en étant dans la situation dans laquelle il n'existe aucune raison distincte de R, d'accord, en vertu de laquelle nous croirions que R elle-même, d'accord, est adéquate ou est correct.
Donc la conclusion ici de cette remarque, si vous voulez, rejoint la position externaliste de Williamson, qui nous dit que la plupart du temps, nous savons bien des choses sans savoir que nous savons. En revanche, l'argument est très différent de l'argument de Williamson. C'est en fait un argument qui, à ma connaissance, est proposé par Dretske, le premier, dans son article sur la raison concluante. Je le mentionne parce que je suis moi-même en désaccord avec l'argument que Williamson a donné contre la luminosité, non pas forcément avec la conclusion de l'argument, mais avec l'argument lui-même. Deuxième question que vous pourriez vous poser, est-ce que l'adéquation est réellement une propriété suffisante pour définir la connaissance ? Une raison adéquate donne une connaissance infaillible, mais on peut se demander si la condition assure que tout état de croyance vraie justifiée externe est bien un état de connaissance. Voici un exemple. Un agent croit qu'un certain nombre de mersennes de la forme 2 puissance n moins 1 est un nombre premier au terme d'un calcul juste. Par la suite, il en vient à croire à tort que tous les nombres de mersennes sont des nombres premiers. Il y voit une raison de plus que croire que m est un nombre premier. Dirons-nous que l'agent sait que M est un nombre premier ? Sorensen a des exemples tout à fait semblables dans l'article auquel je faisais référence. Le problème ici est que notre agent croit une seule et même proposition en vertu d'au moins deux raisons distinctes, l'une adéquate, l'autre inadéquate. Faut-il donc soutenir une version plus forte encore de l'infaillibilisme que nous défendons en vertu de notre axiome d'adéquation, qui est qu'il n'y aurait connaissance que si toutes les raisons qui soutiennent une proposition sont adéquates ? Il me semble que c'est un vrai problème à poser pour ce genre d'approche, et plus généralement en épistémologie. Nous pourrions appeler la condition d'exclusion des lemmes inadéquats, par exemple, le fait donc, pour toute croyance vraie justifiée de type interne, d'être telle que chaque fois que cette croyance repose donc sur une raison S, alors la raison doit être adéquate relativement à la proposition phi. En réalité, nous soutenons que cette condition est une condition trop exigeante pour la connaissance. J'essaierai de le dire davantage dans les questions. Il suffit pour nous qu'il y ait au moins une raison adéquate de connaître, du moment que cette raison est active dans la vie mentale de notre agent, pour attribuer de la connaissance à l'agent. Pourquoi prendre ce parti ? Parce que la connaissance de l'agent est éventuellement très fragile, très ténue, d'accord ? Mais il nous semble qu'il vaut mieux la qualifier comme connaissance plutôt que la disqualifier, et au contraire considérer que deux agents qui sont en fait identiques du point de vue des propositions qu'ils croient peuvent différer en vertu de la qualité de l'adéquation de leur raison. Autrement dit, nous distinguons deux niveaux de connaissance, le niveau atomique de chaque raison relativement à chaque proposition qui est crue, et le niveau global de l'ensemble des raisons. Et la thèse, je le répète, c'est que le second niveau fait une différence entre les agents épistémiques au sens suivant. Différents agents pourraient donc croire exactement les mêmes propositions, mais l'un être tel qu'il aurait par exemple plus de raisons ou de meilleures raisons de croire la proposition en question. Donc faire de l'adéquation la norme de la connaissance au niveau atomique n'empêche pas d'adopter d'autres réquisites normatifs au niveau global, comme par exemple la cohérence, le fait pour un agent de devoir comparer ses raisons, de devoir éventuellement tenter d'avoir plusieurs raisons pour une seule et même proposition, etc. Dernier point, est-ce que l'adéquation maintenant serait réellement une condition nécessaire, excusez-moi, de la connaissance ? L'axiome d'adéquation, je vous le répète, dit que si R soutient une proposition phi, donc si R est une raison de croire phi, alors si R est une proposition, est une raison adéquate, phi est nécessairement vrai. Mais certains soutiennent, notamment Warfield, Feitelson, Sorensen lui-même, qu'il pourrait y avoir connaissance, y compris sur la base de lemme qui serait faux. Voici un exemple de Warfield. Je lis 2h58 à ma montre, il est en réalité 2h56. L'expérience que je fais de lecture, d'accord, me donne une raison de croire, si ma réunion a lieu à 7h, d'accord, que je ne suis pas en retard pour la réunion. Donc, de notre formalisme, nous dirions, d'accord, que R, ici, c'est-à-dire ma lecture, mon expérience de lecture, est une raison de croire qu'il est actuellement, c'est-à-dire l'heure, T, le temps, d'accord, est 2h58. R soutient bien donc, cette proposition. En réalité, d'accord, j'ai également une autre raison de croire que mon rendez-vous, ma réunion a lieu à 7h. Maintenant,
Il se trouve que l'heure véritable, c'est 2h56. Par conséquent, en vertu de l'axiome d'adéquation, eh bien, nous avons là une raison qui est inadéquate, d'accord ? Puisqu'elle soutient tout simplement une proposition fausse. Or, Faitelson, Warfield, Sorensen nous disent que dans ce genre de contexte, eh bien, il est plausible d'attribuer néanmoins à l'agent de la connaissance. C'est-à-dire l'agent n'aurait pas seulement la croyance vraie justifiée au sens interne, si vous voulez, qu'il n'est pas en retard pour sa réunion, mais il a une suffisamment bonne raison, pour le dire autrement, de penser qu'il n'est pas en retard. Notre position là-dessus, c'est que stricto sensu, on devrait dire de l'agent qu'il ne sait pas qu'il est à l'heure pour son rendez-vous si l'heure est fausse. Néanmoins, il le sait moyennant l'approximation tolérée pour ce genre de situation. Autrement dit, nous avons ici un problème qui relève de considérations pragmatiques générales et non pas spécifiques à la théorie de la connaissance. Donc, nous pouvons maintenir l'axiome d'adéquation, mais en donner une version tolérante qui intégrerait l'approximation. Donc, en conclusion de ce travail, je vous propose donc de retenir les trois thèses suivantes. Premièrement, une conception externaliste du caractère adéquat de la justification est compatible avec une analyse du concept de connaissance en termes de croyances vraies justifiées d'un certain type. Deuxièmement, ce programme de recherche n'est pas, par conséquent, incompatible avec la thèse que présentera Anne Mellan, qui a été défendue par Williamson, celle selon laquelle la connaissance vient en premier, parce qu'ici, la thèse williamsonienne se ramène à celle selon laquelle la notion d'adéquation n'est pas analysable intégralement en termes de notions plus élémentaires. Nous avons seulement donc décalé d'un cran, si j'ose dire, la thèse d'indéfinissabilité. Et troisièmement, nous soutenons donc une forme modérée en fait, d'infaillibilisme, au sens où nous autorisons à ce qu'une proposition demeure sue, même quand elle repose sur des raisons adéquates et inadéquates, des raisons mixtes. En ce sens, donc, la théorie ne dispense pas d'examiner ces raisons, de comparer ces raisons, et reste compatible avec de larges pans de l'épistémologie internaliste. Je vous remercie. Donc c'est à mon tour de remercier très chaleureusement Claudine Virselin et de manière générale la chaire de métaphysique et de philosophie de la connaissance de m'accueillir ici. Pour moi, c'est un grand honneur de parler ici et je vous remercie également Jean-Marie Chevalier et Benoît Gauthier de m'avoir invité. J'ai donc en effet une question à poser à Paul Aigret à propos de la présentation qu'il vient de faire. J'ai failli mettre en parenthèse une question simple parce qu'au fond, je pense que c'est une question simple. Donc, pour reprendre très rapidement, la conclusion principale de Paul Aigret dans le papier que j'ai lu est la suivante. Dans certains cas au moins, la connaissance, j'ai mis knowledge is true belief, j'ai utilisé l'abréviation classique, la connaissance est en fait la croyance vraie qui est soutenue par une raison adéquate ou qui possède une justification adéquate. Et comme nous l'a montré Paul, cela a l'avantage de résoudre le problème de Getty. Au fond, toute la difficulté, évidemment, si on essaye de défendre une définition de la connaissance comme celle-ci, c'est de dire précisément ce en quoi consistent les raisons adéquates. Et de manière non technique, j'ai essayé de formuler ça de manière absolument non technique, au fond, il y a deux choses qui sont nécessaire à une raison pour qu'elle consiste en une raison adéquate. Tout d'abord, une raison adéquate de croire que phi est veridical, c'est comme ça que parfois tu la désignes dans le papier en question, ou infaillible. C'est-à-dire qu'une raison est adéquate, si R est une raison adéquate de croire que phi, alors phi est vrai. Et une autre condition nécessaire, c'est celle qui correspond en fait à l'axiome AS dans la présentation que tu nous as faite. Une autre condition nécessaire pour qu'une raison soit une raison adéquate, c'est qu'elle soit, comme je l'appelle ici, indépendante de la perspective de l'agent. Typiquement, c'est formulé de la manière suivante dans ton article, là je cite l'article en question. If an agent wrongly believes a reason R to support a proposition phi, that is, believes though also R actually fails to support phi, then R cannot be adequate. Pour le dire en des termes plus vernaculaires, si un agent croit que R est une raison de croire que phi, mais que R n'est pas en vérité une raison de croire que phi, alors R n'est pas une raison adéquate.
Au fond, les raisons adéquates sont des raisons qui sont indépendantes de la perspective de l'agent, au sens où ce qui compte fondamentalement, c'est ce qui a lieu dans le monde. Ce n'est pas ce que l'agent croit. Et c'est pour cette raison qu'au fond, les raisons adéquates sont ce qu'on appelle des raisons de nature externaliste. Elles ne dépendent pas de la perspective de l'agent, ce qui serait la conception internaliste des raisons. Elles dépendent de ce qui est de la manière dont le monde se comporte, si vous voulez. Et en ce sens, les raisons adéquates sont des raisons externalistes. C'est quelque chose que Paul reconnaît, et l'a d'ailleurs explicité de manière claire dans sa présentation. Mais je voulais juste insister sur ce point. Il le dit par exemple, là je cite également le papier, dans cette tout au début de l'article en question, là où il nous présente l'objectif, l'intérêt principal de cette conception de la connaissance qu'il défend en termes de raisons adéquates, il nous dit « Gettikesis must only show that knowledge is not identical with justified true belief under an internalist conception of justification. The examples do not thereby rule out the existence of a more externalist notion of justification capable of sustaining the equation between knowledge and justified true belief. » Define knowledge as true belief with an adequate justification, and it appears Gettikesis no longer have a bite. So, de nouveau, ici, il est explicitement dit que la justification est adéquate, est externaliste. Et ma question, au fond, c'est pourquoi externaliste? Mais doit-elle l'être, finalement? Au fond, si on réfléchit à la raison pour laquelle, qu'est-ce qui pourrait motiver, en fait, une identification des raisons à des raisons externalistes, il pourrait y avoir deux motivations. La première serait de dire, au fond, l'infaillibilisme, qui est la première condition nécessaire des raisons adéquates. Souvenez-vous, les raisons adéquates sont définies en termes de raisons infaillibles et en termes de raisons externes, externalistes ou indépendantes de la perspective. On pourrait d'abord commencer à penser, au fond, si une raison est infaillible, alors, nécessairement, elle est indépendante de la perspective. Donc, au fond, ça serait une manière de dire à Paul, les conditions 1 et 2, ne sont pas des conditions qui sont de facto indépendantes. Donc ça, ce serait une première manière d'en arriver à dire qu'en effet, les raisons sont forcément des raisons externalistes. Ou alors, une autre raison beaucoup plus importante, beaucoup plus substantielle de considérer que les raisons adéquates sont des raisons externes, ce serait de penser qu'on ne peut pas résoudre le problème de Gettier avec une forme d'infaillibilité qui serait internaliste, qui serait dépendante de la perspective. Et en fait, ce que je vais essayer de montrer très rapidement là, c'est qu'au fond, on ne peut pas répondre oui à ça. C'est-à-dire, l'infaillibilité ne s'applique pas à l'indépendance de la perspective, et on peut très bien résoudre les problèmes de Gettier avec une condition infaillible, mais internaliste. Donc au fond, je ne comprends pas la motivation qui préside à l'externalisme dans la théorie de la connaissance que Paul a présentée tout à l'heure. Donc, très rapidement, l'infaillibilisme est-il compatible avec l'internalisme? Le fait que l'internalisme soit compatible avec l'infaillibilisme soit compatible avec l'externalisme est évident. Donc, à titre de rappel, qu'est-ce que la thèse infaillibiliste? C'est la thèse selon laquelle toutes les croyances entretenues pour une raison, c'est-à-dire justifiées, sont nécessairement vraies. Cela est compatible avec l'externalisme pour la raison suivante. Donc, ça se passerait de cette manière, la manière suivante. Pour qu'une chose Q soit une raison R pour un agent de croire que Phi, il est nécessaire que le monde se comporte d'une certaine manière. Par exemple, que Q entretienne une certaine relation avec Phi. Donc ça, ce serait la thèse externaliste. Ce qui compte pour que au fond, il y a une raison de croire que Q, c'est qu'il y a quelque chose dans le monde qui se passe, et la spécification infaillibiliste, dans ce compte-rendu externaliste, c'est de dire que la relation en question, cette relation du monde, elle est telle que entre la raison R garantit que Phi est vrai. Donc ça, c'est la spécification internaliste. Vous pouvez avoir des raisons externalistes de type non infaillibiliste, et quand vous précisez que la raison est infaillible, c'est-à-dire que vous pensez qu'il se passe quelque chose dans le monde, qui est telle que, quand on a la raison R, qui supporte la proposition phi, alors phi est nécessairement vrai. Donc l'infaillibilisme est parfaitement compatible avec l'externalisme, ça ne pose pas de problème. Compatibilité avec l'internalisme, maintenant. Donc la thèse internaliste, je vous le rappelle de nouveau, dit que pour une chose Q soit une raison R pour un agent de croire que phi, il n'est pas nécessaire que le monde se comporte d'une certaine manière. Ce qui compte, au fond, c'est que l'agent A,
possède certains états mentaux spécifiques. Par exemple, qu'il croit que R est une raison de croire que Phi. Ou qu'il croit tout simplement que Q. Ou alors qu'il soit disposé à croire que R est une raison de croire que Phi. Peu importe. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce qui se passe dans le monde, de nouveau, ce sont les états mentaux du sujet. Ça, c'est la conception internaliste des raisons. Et il peut très bien y avoir, et c'est ce que j'essaie de montrer dans cette diapositive, une conception internaliste des raisons qui soit infaillibiliste. Cette conception infaillibiliste et internaliste des raisons, elle précise simplement que les états mentaux en question, que l'individu doit avoir à propos de la raison, doivent être tels que le fait d'avoir cette croyance que Q est une raison de croire que Phi implique que Phi est vrai. Donc, c'est la spécification que vous avez tout en bas de cette diapositive. La spécification infaillibiliste de la thèse internaliste des raisons dit que ce n'est pas vrai pour n'importe quel Q, pour n'importe quelle raison, mais seulement lorsque Q est tel que le fait de croire que Q garantit que Phi est vrai. Et c'est exactement ce que Descartes dit dans le Cogito. Quand je crois que je pense, cela garantit que j'existe. Le fait que j'aie cette croyance garantit la vérité de la proposition « j'existe ». Donc si vous voulez, ça, c'est typiquement un infaillibilisme de type internaliste. Donc ce que j'essayais de faire là, c'est simplement de vous faire sentir, je sais que Paul, là-dessus, à mon avis, tu ne dois pas, ce n'est pas une objection que je te fais parce que je pense que tu es d'accord, mais c'est juste vous permettre de considérer que l'infaillibilisme, même s'il est très souvent associé à l'externaliste, n'a pas besoin d'être associé à l'externaliste, il peut très bien être associé à l'internalisme. Et donc, au fond, est-ce que l'infaillibilisme de type internaliste peut résoudre le problème de Getty? Et c'est là que j'ai une question, c'est là en fait que je vois le plus gros problème en fait dans cette conception que tu as défendue, c'est que je n'ai pas l'impression qu'on a besoin d'être externaliste pour résoudre les cas Getty. Au fond, ce qui compte pour résoudre un cas Getty, c'est que la justification ne soit pas compatible avec la fausseté, c'est-à-dire qu'elle implique la vérité. Dans les deux cas Getty, au fond, le problème, c'est que la croyance finale aurait pu être fausse, puisqu'elle n'est pas déduite d'une connaissance, mais d'une croyance fausse. Donc dans le premier cas que tu as présenté, typiquement, Jones ne va pas obtenir cet emploi, donc c'est basé sur la croyance fausse qu'il va l'obtenir lui-même. Et donc, dans le raisonnement qui préside à la conclusion qui est finalement vraie, il y a une croyance fausse. Et dans le deuxième cas, il n'est pas vrai que Jones ne possède pas de force. C'est le deuxième élément de la disjonction qui est correct. Donc là, de nouveau, dans le raisonnement qui préside à la conclusion vraie, il y a une croyance fausse. Donc, il y aurait très bien pu se faire que la conclusion soit fausse. Donc, ce n'est pas un raisonnement qui est infaillible. Donc, on voit bien que l'infaillibilisme est capable de résoudre les cas Getty. Mais cela, tout ce que je viens de vous dire, aurait pu être vrai, peu importe la conception des raisons que vous favorisez, que les raisons, que vous défendiez une conception externaliste ou que vous défendiez une conception internaliste des raisons. Donc, pour conclure, je pense que c'est la condition d'infaillibilité qui fait tout le travail. La première des deux conditions que je vous ai présentées, l'axiome A dans ta théorie, et la démonstration que tu as faite, si je l'ai bien comprise, n'offre en fait aucun avantage théorique à l'externalisme. Donc là, j'ai cité juste deux passages de ton texte dans lequel tu précises que c'est bien une définition externaliste que tu essayes de défendre. Et en fait, c'est avec ces passages-là que je ne les lis pas parce que ça répète ce que je vous ai déjà dit. C'est donc avec ces passages-là que j'ai des difficultés. Et la question que je te pose, Paul, donc, ce serait pourquoi l'internalisme ne pourrait-il pas faire aussi bien? Merci. Je vais tâcher d'y répondre, de répondre à ces excellentes questions très brièvement. Je me rends compte, en fait, en t'écoutant, que, bon, premièrement, une version de ce travail antérieur faisait effectivement tout reposer sur la condition d'infaillibilité. D'accord ? Et c'est-à-dire qu'en fait, la version antérieure de ce travail n'avait pas cet axiome auxiliaire, d'accord, qui traite les raisons comme possiblement des raisons externes. Maintenant, il faut distinguer deux notions d'externalisme, l'externalisme de la connaissance et l'externalisme de la justification.
Je crois que cette citation ici est au fond une citation malheureuse, parce que je serais tenté de remplacer le terme de justification par celui de connaissance. Pourquoi sommes-nous externalistes du point de vue de la connaissance? Parce que ce que nous entendons dire, donc, c'est que deux agents pourraient être exactement dans les mêmes... avoir exactement les mêmes états mentaux et les mêmes raisons, et être tel que l'un a une justification adéquate et pas l'autre, au fond. Maintenant, j'accepterai effectivement volontiers, en fait, d'être internaliste quant à la justification elle-même. C'est ce que je disais à propos de ce renforcement de la condition annexe que je présentais, qui nous dit simplement, chaque fois qu'un agent croit que quelque chose est une raison pour une proposition, ça l'est ipso facto, en quelque sorte. Et ça, il me semble que c'est une façon de faire de la justification une justification de type interne. Autrement dit, on peut dissocier dans cette approche l'externalisme de la connaissance et l'internalisme de la justification. Mon co-auteur, l'un de mes co-auteurs, je ne le nommerai pas, a montré un vif désaccord, en fait, au cours des révisions de ce travail dernièrement, et lui semble, en fait, être beaucoup plus externaliste sur la nature de la justification. Donc j'espère que la version finale de ce travail montrera au moins les deux options, quitte à défendre, la version la plus parcimonieuse, de mon point de vue, qui est la version internaliste sur la justification elle-même. Une des questions qui suit, au fond, c'est est-ce qu'on peut vraiment être externaliste sur la connaissance et défendre une conception de la justification internaliste? En tout cas, d'un certain type d'internalisme. Parce que si je comprends bien, il y a une forme d'internalisme qui a l'air d'être celle avec qui a l'air de plaire, qui, au fond, est un internalisme de type métaphysique, c'est-à-dire qui est un internalisme qui considère en quoi consistent les raisons. Les raisons sont des états mentaux. Et il y a un autre type d'internalisme qu'on associe plutôt à l'accessibilisme, qui dit qu'au fond, la justification ne dépend pas tellement de ce que sont les états mentaux métaphysiquement, mais de ce que je suis disposé à croire à propos de mes raisons. D'accord. J'ai l'impression que si tu défends la deuxième sorte, c'est-à-dire ce qu'on appellerait l'internalisme du type dépendant de la perspective, oui. Alors je vois mal comment tu peux rester externaliste même à propos de la connaissance. Parce que tu ne pourras pas définir la connaissance en termes de croyances vraies justifiées, dire que la justification est internaliste, et dire qu'au fond, deux individus qui sont dans les mêmes états mentaux peuvent avoir un des connaissances et l'autre pas. Alors, sauf erreur de ma part, c'est parce que je défends, je crois, une version faible de l'accessibilisme. En fait. C'est-à-dire que dans le fond, la version forte nous dirait que chaque fois qu'un agent croit que R est une raison pour phi, R est une raison pour phi, et réciproquement. Ouais, exactement. En fait, le seul sens que je souhaiterais défendre, après bien des réflexions à ce sujet, c'est le sens qui va de la croyance chez un agent que R est une raison pour phi, ah, R est effectivement une raison pour phi. Mais la réciproque n'est pas, en fait, n'est pas garantie dans notre système. Quand elle l'était, en fait, ça nous conduisait à des conditions, d'ailleurs, de clôture beaucoup plus fortes, déjà à un système de représentation des croyances sans doute beaucoup moins réaliste à certains égards. Un point, d'ailleurs, qu'avait remarqué Julien lors d'échanges. Paul, est-ce que tu veux prendre quelques questions dans la salle? Volontiers, merci.